What's up, gens internet, j'espère que vous allez bien. Sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Flows. Red, comment vas-tu mon ami? Ça va très bien toi? Ça va très bien. Aujourd'hui en fait, on se retrouve pour une présentation de serveur. Là, vous allez me dire, ouais, présentation de serveur, opportunité et tout. Certes, je suis rémunéré pour cette vidéo-là, je l'ai jamais caché, je vais pas vous le cacher, mais le serveur, les amis, vous allez voir ce qu'on va vous présenter avec Flows, c'est quand même assez cool, je veux dire. Vous savez, je suis pas quelqu'un qui présente n'importe quel serveur. Quand je présente le serveur, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dessus. Et puis, qui sait, peut-être qu'on va faire un let's play dans le futur. Ce sera à vous de me le dire dans la description, etc. Déjà, avant qu'on commence, vite fait, faut savoir que c'est pas un type de faction comme d'habitude, en fait. C'est un Diamondless et ils ont déjà été ouverts, en fait. Si tu me dis, tu corriges si je me trompe, hein. Mais je pense que j'avais déjà vu une vidéo de Bankno MySkill. Il avait fait une vidéo, vous aviez fait une ouverture qui avait quand même bien marché, je pense, hein. Beaucoup de joueurs avaient adoré le concept et en fait ben je pense qu'ils ont eu des problèmes. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Raconte-nous un peu vite fait. On a eu des problèmes, beaucoup de crash à l'ouverture à cause de certains plugins qui n'y allaient pas, qui étaient mal configurés, et surtout une absence de notre développeur lors de la première semaine qui était parti en vacances. Ah, du coup, ouais. Bah, beaucoup de problèmes, beaucoup de pertes de joueurs, et du coup bah, on a tout refait propre, neuf, et tout va bien se passer. Et il y a beaucoup de nouveaux plugins, je pense, que les joueurs n'ont pas encore vu, si je m'abuse. Dans le sens que il y a beaucoup de plugins ou de trucs que vous avez rajoutés que les gens n'ont pas encore vu. C'est pas comme si vous réouvrez comme c'était avant, quoi. On est d'accord. Ouais, voilà. Okay. Il y a des nouveautés, ouais. Donc, les amis, si vous connaissez pas vite fait le serveur, je vais un peu l'expliquer comme moi je pense que c'est, ok? Genre, la vie que j'ai eue en juste en que tu me présentes vite fait et que je regarde un peu les vidéos vite fait. En gros, il y a un nouveau minerai qui est le cristal en fait. Et c'est un serveur sur IP, c'est pas un serveur sur launcher. C'est ce qui est quand même cool. Il utilise un texture pack. En fond, quand vous allez vous vous connecter, ça va vous rajouter un texture pack au-dessus de votre texture pack. Donc, vous pouvez toujours utiliser le pack que vous voulez. Donc, moi j'utilise le R normalement. Là, je vais utiliser le Jade. Faudra juste que je le mette au-dessus en fait, vite fait. Donc, on va déplacer ça, et on met ce, hop là, celui-là au-dessus, et vous utilisez le pack de texture que vous voulez, ça n'a pas de problème, il faut juste mettre le pack de cristal sur le dessus, c'est ça si je ne me trompe pas, right? C'est ça. Ok. Donc, vous voyez, on a l'armure en cristal, etc., mais il y a beaucoup d'autres choses, en fait, que vous devez savoir. Donc, le serveur, c'est en 1.8, il y a beaucoup... 1.7, 1.8. 1.7, 1.8, ok, ok. Il y a, dans le fond, aucune façon de... Il n'y a pas de diamant dans la map, si je me trompe, en minant, non? Il n'y en a aucun. C'est ça, il n'y a aucun diamant. C'est un diamondless, dans le fond. Si vous ne savez pas, c'est comme un peu l'UHC, vous avez sûrement déjà vu. Puis en gros, la seule façon d'obtenir des diamants, c'est via les kits, le KOTH, les votes, et puis... Je pense c'est... d'event. Et... Genre, ok, oui, toutes les events PVP, les trucs dans ce style-là, ok. Donc, un truc intéressant que j'ai entendu, vite fait, ben ton autre ami qui est fondateur aussi avec toi, il m'en avait parlé, c'est l'avion. Veux-tu nous en dire un peu plus sur cet event-là, vite fait? Ok, y a pas de problème. Donc, l'avion, c'est l'event qui sera le plus fréquemment sur le serveur. C'est un event qui se déroule toutes les heures. Ah ben ouais, regarde, Crystal Avion voilà. Approche dans 7 minutes. Alors, on ira le voir tout à l'heure quand il sera posé. Donc, dans cet avion, on peut trouver 16 coffres. Dans ces coffres, un diamant par coffre. Ok, donc 16 diamants par avion, puis il y a un avion tous voilà. Les combien de temps déjà, t'as dit, désolé? Toutes les heures. Toutes les heures. Ok, ouais. Donc ouais, ça va quand même, c'est pas si difficile d'avoir du diamant quand t'es fort quand même au PvP, puis que t'es capable d'aller, tuer voilà. Du monde, ok. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'en ouvrant ce coffre, t'obtiens un point de classement pour ta faction. Donc on a un slash classement qui dit je regarder, slash c'était les factions. Ouais, le staff qui a 200, ok, ouais, c'est stylé quoi, ça commode de points. Ouais, je vois. Et là, tu peux voilà. Voir aussi les points de votre faction. Ok. Comme ça, même si t'es pas dans le top 10, mettons, tu peux quand même voir ton... Ok, je comprends. Ton nombre de points à toi. Ok. C'est stylé, voilà. Ça, c'est bien fait. Et donc, la seule façon de gagner ces points, si on parle un peu du classement, c'est sur les events. On n'a pas voulu faire comme tous les autres serveurs avec les claims. Le farming, ouais. Je voilà. Comprends ce que tu veux c'est dire. Vraiment sur les events. Juste sur les trucs PVP, donc l'avion, le KTH et les autres events PVP qu'on va présenter après, right? Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais parler vite fait? Oh oui, les trucs journaliers, genre, tu me l'as montré tantôt, en fait, quand vous vous connectez, les gars, c'est un truc que j'ai vraiment aimé quand tu me l'as dit tantôt, en fait, c'est que chaque jour, vous pouvez venir sur le serveur et récolter votre récompense, donc récompense, rank 1, clic gauche pour prendre votre récompense, vous cliquez et on reçoit, dans le fond, un kit. Qui donne de l'obsidienne, de la soul sand, de la cobble, des trucs comme ça, mais chaque jour que je vais revenir ensuite, pendant, c'est 30 ou 40 jours, tu m'as dit? 30 jours. Au bout de 30 jours, vous avez le meilleur grade du serveur, right? C'est ça? C'est ça, en gros. Tous les jours, au fil du temps, vos kits vont s'améliorer, vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus meilleurs. Et au bout de 30 jours, vous recevrez le meilleur grade du serveur pendant un mois. C'est-à-dire que si vous jouez le premier mois continuellement... Le deuxième mois, vous allez être VIP tout le long. Grade, okay, mais ouais. Si le deuxième mois, vous rejouez continuellement, le troisième mois, vous avez encore le grade. Ah ça ouais. Mais si vous loupez une journée, vous redescendez à zéro.
Ouais, donc, ouais, en gros, faut se connecter tous les jours, quoi. Pour les gens qui sont à Internet, etc., c'est un peu plus difficile, mais je pense pour les gens qui sont geeks et qui jouent vraiment tous les jours, c'est vraiment intéressant comme mode de. Je trouve bien, vraiment fort sympathique. J'ai des clés dans mes mains, ça sert à quoi? Clé de Crystal Box et clé de Wither Box. C'est quoi ça? On va faire ça tout à l'heure. D'abord, on va Ah, ok. présenter les autres events. Ah, ok. Le Crystal Wither, si je me trompe pas. Ou le Crystal Tower, un des deux. C'est On quel va que faire tu Crystal préfères? Tower en premier. Vas-y, vas-y. Donc, Crystal Tower, c'est simple, c'est un KOTH, comme sur plein d'autres serveurs. Ce KOTH se déroulera tous les jours automatiquement à 18h30. Donc, le but, c'est de maîtriser la zone pendant 2 minutes avec sa faction. Et voilà, au bout de 2 minutes, si on tient toujours la zone, le joueur qui l'a capturé se verra TP au spawn. Avec un certain nombre de loot, de récompenses. Je t'invite à faire tâche KOTH. KOTH loot. En gros, il gagne un armure. Il peut gagner. Ça, c'est. Il gagne pas tout ça, en gros. Il gagne des Voilà, trucs il aléatoirement gagne dans tout ça. Ok. entre 4 à 6 loot de Donc, en gros, cette il récompense. peut gagner un armure en diamant, un armure en fer, sharpness 3, un cristal, pomme cheat, 6 diamants, 8 émeraudes, du gold, du fer, un armure en fer, un power 4, des flèches. Bon, c'est un peu rien. Sharpness 1, sharpness 2, full P2 en. Full P1, P2 Voilà. en iron et un full P1, U1 en diamant. Voilà, il faut savoir du coup que le diamant, comme on Stylé. l'a dit, c'est difficile à avoir. Et le cristal, c'est encore plus difficile que le diamant, donc. Alors, bah, d'ailleurs, parlant du cristal, pour l'obtenir, je t'invite à faire slash trade. Slash trade. Ah ouais, ok. C'est quand même vachement chaud. Ça te prend 6 diamants pour un cristal, les gars. Sachant que le diamant, c'est quand même vraiment difficile. Ah ouais. Et C'est pas donc, mal le truc, le fait que ça l'ouvre directement l'inventaire et que t'as pas. Je trouve ça intéressant. on a rajouté du coup les items du Nether, vu que le Nether sera pas disponible. Ah ok, pas dit. Ça fait moins Donc je lag vais. aussi avec ça, Voilà. j'ai moins de chocs, etc. Je comprends. Ça, donc je vais TP. Donc voici l'arène du KOTH, donc qui est dans la Warzone. Ah ouais, d'ailleurs, Et j'ai fait un tour vite fait de la Warzone. C'est grave stylé, je trouve. on va tout de Les armes. suite parler de l'autre event, Vas-y, donc vas-y. le C'était Crystal le Wither. Crystal Wither, voilà. Crystal Wither, Ça, tout c'est à un fait. nouvel event totalement. Le Crystal Tower, il était à la version 1, si je m'abuse, non? Voilà, c'est ça, Ok, KOTH qui est à la là, version le 1, Wither, c'est un nouveau. c'est un nouveau, c'est Ok. inédit. Donc je t'invite à revenir dans l'arène du KOTH, que je vais lancer l'event. Vas-y, j'arrive. Je suis à l'intérieur maintenant. Ok, donc je vais lancer l'event. Voilà. Et donc tu peux voir un Wither apparaître en plein milieu. Donc cet event, il se déroule tous les jours à 17h30, donc 1 heure avant le KOTH. Et on peut voir que le Wither fait aucun dégât et qu'il ne bouge pas. La particularité, c'est qu'il a 5000 points de vie. Ah ouais, faut que les Il gens le est tuent et tout. extrêmement résistant. Ok, j'ai une Donc tu peux question vite voir. fait. Est-ce que c'est la dernière personne qui tue qui gagne ou c'est Oui, celui qui a fait le plus de dégâts? la dernière personne. Ah ouais, donc tu peux arriver juste comme ça avec un autre stuff et le tuer, le taper et gagner. C'est C'est un pour peu ça qu'il faut y aller toujours avec toute ça. sa faction. Ah! Bon, c'est l'anti-cheat J'ai qui cheaté prend les amis, totalement. je vous l'ai jamais dit. En fait, j'utilise un mode de triche. Je suis désolé les amis, hein, bien sûr. Je me reconnecte vite fait. Ouais, tu peux. Voilà. Merci, jeune homme. Donc, aussi, le serveur est très propre niveau. De. On a. Je sais que je Alors t'interromps tiens, peut-être, mais on est. C'est vraiment amuse-toi propre avec ces niveau TP. des. Niveau des. De l'affichage du serveur, etc. Tout est vraiment bien affiché, bien propre. Je vais vous montrer aussi. Genre, vous avez des questions, vous pouvez faire FAQ. C'est un plugin qu'on m'avait déjà montré. Vous avez tout ce que vous devez savoir. Vraiment, tout est vraiment bien fait, bien custom. Je trouve ça intéressant. Donc, attendez. Boum! On l'a tué. J'ai été téléporté au spawn et j'ai gagné une clé de Witherbox. Qu'est-ce que Voilà ça fait donc. cette clé? On voit exactement vu qu'on est dans ce genre de truc du Wither, ça va où? Ici, voilà. Donc je vais dropper aussi l'autre clé du Bah je coup. l'ai plus, ouais. Hop, voilà. Donc j'invite à faire clic gauche sur les coffres pour voir les récompenses. Et ensuite à les ouvrir. Ok, ça c'est la Crystal Box, n'est-ce pas? Crystal Ok, on peut Box. gagner. Cristal. Ok, le diamant enchanté c'est du cristal, c'est ça? C'est ça. Ok. Cristal, Spawner Creeper, Spawner Squelette. Oh, c'est stylé, plein de trucs bien qu'on peut gagner. Spawner Cochon. Plein de trucs. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on va gagner. Crystal Box, allons-y. Oh, j'ai kiffé les animations comme ça, gros. Et nous, on a gagné 32 virus du Nether. C'est pas super, super. On n'est pas très chanceux. Ouais, on avait 16% de gagner ça. Et dans la Wither Box, on peut gagner aléatoire Wither 1, Wither 2, Donc Wither 3, voilà, Wither 4. la C'est quoi ça? particularité c'est que les loots sont cachés, donc sont déjà prédéfinis, ils sont ultra cheatés, tu vas voir quand tu vas l'ouvrir, ils sont ultra Ok, cheatés. et si j'enlève le texture pack, est-ce que je peux le voir? C'est quoi le vrai loot ou non? C'est un item remasterisé. Ah, ok. Donc, même si la personne enlève le texture pack, elle peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a Non, à c'est pas gagner. juste un loot, tu gagnes pas un loot, tu gagnes un pack Ah, plein. ok. Bon, bah, on va l'ouvrir. On va voir qu'est-ce qu'on va gagner. Wither 8. Je pense pas que c'est un super de bon pack. Enfin. Oh!
Putain, si, peut-être. Leader bah, c'est 8. l'un des meilleurs, ça va de 1 à 10. Leader 8, 5%. Gros, j'ai gagné un P3, U3. Oh, juste en tuant le mode. Oh, des bottes P3 en cristal. What? C'est grave stylé, je trouve, comme truc. 5 cristal. Ah ouais! En gros, si tu te déchires et tu joues bien, tiens, ton épée cheatée. Si tu joues bien avec ton équipe, tu peux vachement faire du stuff facilement. Enfin, C'est tu ça. gagnes les events PVP, puis c'est vraiment. Ah, oh, ok, c'est cool, c'est basé vraiment plus sur le PVP que. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, donc il y a, ça va de 1 à 10 loot possibles Et sur je la suis en train box. de le lire en ce moment, c'est tous les jours à 17h30, c'est ça? C'est ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Passons tout de suite directement à la Crystal Box, je pense que je l'ai déjà montré, non? Ça c'est fait, on a déjà fait les Ouais. box. Du coup, je vais te parler d'un autre plugin qui risque d'arriver, Ok. qu'on n'a pas encore tout à fait terminé, mais qui sera peut-être là à l'ouverture, voire arriver dans les semaines à venir. C'est Crystal Runes. Qu'est-ce que Crystal Runes? Bah, En ruines, gros. j'imagine, je te donne une prédiction, ok? J'imagine que Allez. c'est des mines, parce que des ruines, c'est genre des En bâtiments gros. genre Pas effondrés, ruine, des pas trucs comme ruine, ça. runes. Runes? Ah, ok, je sais pas alors. Des runes comme dans RuneScape. les MMO ou. Ok, et c'est quoi que ça fait ce plugin en fait? Alors, ce plugin, tu pourras échanger contre des items là, grâce à une commande, des items contre des runes. Donc, les runes, il y en a différentes sortes, différents types, différentes puissances. Et ces runes, en fait, tu pourras les mettre sur ton casque, plastron, pantalon ou bottes qui pourront améliorer tes statistiques. Par exemple, faire plus de dégâts, résister Ah ouais, plus, c'est comme des nouvelles enchantements dans le fond. Si. etc. etc. Ah bah, ça Ok. va être en surplus des enchantements. Ah ouais, par exemple, j'ai une protection 4U3, je rajoute exemple une ruine qui donne, je sais pas, dommage. Voilà. Ça, je vais faire plus de dégâts, en gros, si je Voilà. comprends bien. Ah ouais, c'est stylé. Et Ça me fait penser à un serveur qui avait fait un peu le même système de texture pack, etc., qui avait sorti il y a pas longtemps. Enfin, il y a longtemps, mais c'est fermé. C'était Netcraft, je sais pas si t'as déjà joué. Non, je connais pas. S'il avait utilisé un peu le même système avec l'armure en maille modifiée, je trouve que c'est vraiment bien l'idée du. En fait, ça met. C'est inédit en fait, parce qu'il n'y a pas énormément de serveurs qui le font, même si vous êtes le seul qui est actif en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça intéressant qu'il y ait de nouveaux minerais sur un serveur non launcher, si tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça intéressant personnellement. Et donc le truc à faire aussi avec ces runes, c'est que du coup, il y en aura plus que les 4 items que tu as. Donc ça sera à toi de choisir les bonnes pour avoir le meilleur équipement et donc pour battre tes adversaires Ok, dans le sens que tu peux pas comme il le mettre faut. à l'infini, tu peux en mettre seulement Voilà, tu n'en genre mets qu'une seule, 3. une Ok. seule par item. Donc tu peux en mettre 4 sur chaque pièce de tes armures. Ok. Voilà. Sinon, une autre question, niveau des AP, c'est Unclaim quand les joueurs voient. L'ouverture, c'est le 22. L'ouverture c'est le 22 à 15h, les AP c'est C'est sans quand? doute le lendemain, le dimanche comme d'habitude. Et on a une limite de 4 AP par faction. Donc, ok, ça c'est cool aussi. Et Tout ça qui est puis, est-ce qu'on. automatisé, on peut pas en claim plus. Et puis, est-ce qu'on oublie quelque chose vite fait? Ou y a-t-il quelque chose que tu Alors veux parler oui, d'autre, je crois? il y a plein du coup de nouvelles commandes qu'on a mis en place, donc le FAQ que tu as déjà J'ai des mots. parlé Ouais, sans je trouve doute ça montré. grave stylé, moi. Voilà, on a un slash musique, donc tu vas trouver ça Vas-y, bête pour slash le début. musique. Donc on. Tu vas peut-être trouver ça bête, c'est toutes les musiques de Minecraft, sauf qu'on dispose aussi d'un launcher qui va permettre aux craqués de venir jouer sur notre serveur. Ah ouais, pas mal. Et donc grâce au launcher, les craqués pourront avoir un skin et une cape, mais aussi sur notre launcher, on mettra des musiques personnalisées à la place des musiques de Minecraft, Mais et donc je pense avoir que tu peux le. déjà. Tu me le dis si je me trompe, mais avec le texture pack que tu as en ce moment, celui que tu rajoutes par-dessus, je pense que tu peux le faire, non? Je ne sais pas. Pas vu Ah. qu'on est à moitié en 1.7, je sais pas. Ah, peut-être pas. Peut-être que t'as raison. Peut-être que t'as raison. Je sais pas. Sinon, au niveau du PVP et du serveur, c'est 1.7 ou 1.8? Quand l'item bloc, il est actif et tout, ouais. 1.7. Ouais, ok. Donc la base du serveur est en 1.7. Mais. Bah tu peux faire F3, tu verras 1.7.10. Non, moi je suis en 1.8, en 1.3, en 1.8, tu m'as dit de me connecter en 1.8. Ah oui, mais le serveur sinon. Ah oui, Ah, d'accord, tu pas de mal. comprends? Mais sinon le serveur, oui, il est en 1.7. Connecteur, 1.8, 1.7, ok. T'inquiète pas. Autre chose qu'on a vite fait oublié? Ouais, tiens, Parce qu'on a quand même je fait te une viens où longue tu vidéo, là, je es. crois que ça fait genre 15 Tiens, minutes. hop, je drop ça, Oh, mange-la. oh, oh. Et ça, c'est une pomme en cristal. D'accord. J'ai bouffé et j'ai eu Speed 2, Haste, Strength 2, Absorption, Résistance 2 et Fire Regen. Juste vite fait de question, la force est désactivée normalement ou elle est activée? Elle est nerf Allez, allez, quoi. nerf, allez, nerf. Ok, super. J'avais juste oublié de le mentionner avant. Et cette pomme-là, comment on la craft ou on l'obtient? Une pomme rouge et 8 cristaux. 8 cristal Allez. plutôt. Hein. 8 cristaux, 8 cristaux.
plus rien. Bon, oh, gros, Peu importe. ok, ouais, les minerais que j'ai dans la main. Ok, C'est ça, ça, voilà. ok. Stylé, stylé. C'est tout? Je pense qu'on a vraiment fait le tour, à moins On qu'il y ait... a une commande en plus pour éviter de polluer le chat. Je t'invite à taper cette commande avec ton message. Ah ouais, ça c'est classique sur les Américains, c'est comme ça qu'on fait, nous. LOL! Et là, la Hop, mine reçoit voilà. un message et ça l'envoie un message à toutes les gens qui sont OP ou qui ont la permission. Et en fait, eux, ils Voilà, vous c'est peuvent vous ça. répondre par message privé, comme Un ça. message Pas obligé de rouge bien spam toujours. visible. Et donc, Voilà. voilà. C'est éviter aussi de spammer le chat de vos problèmes, etc. Nous les Je envoyer vais juste directement, c'est donner beaucoup mon mieux. stuff parce que moi je vais jouer à l'ouverture donc. Oh, t'inquiète pas, tout sera Ah reset ok, bah je t'ai avant. quand même tout donné parce que je suis une Pas personne de gentille, tu problème. vois. Et Y a pas puis de ben je problème. pense que c'est tout les amis, comme je vous ai dit. Venez faire un tour sur le serveur, tu veux donner l'IP exactement parce que je la connais pas par cœur. Alors, c'est play.crystalpvp.net. Et puis le site sera dans la description, le TMTS aussi, et si j'ai oublié quelques informations lors de l'ouverture, etc. aussi dans la description. Et puis voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Je sais que c'était peut-être une vidéo un peu plus longue, mais au moins vous savez tout, 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 tout sur le serveur. Et puis comme ça, ben quand vous allez arriver, vous n'allez pas être perdu. Sur ce, c'est Tycoons. Passez une excellente fin de journée. Je vous adore. Ciao. Bye. Au revoir.